Et bonjour à tous, c'est David et on se retrouve aujourd'hui pour le 32e épisode de la survie de Team. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va refaire un petit tour dans la base militaire. Hop là, donc ça logiquement, je vais pas en avoir besoin, je vais le poser là. On va refaire un petit tour dans la base militaire histoire de nettoyer vraiment ce qui peut rester et potentiellement quelques armes. Quelques munitions. Donc on va y aller le plus léger possible. Ça, on va laisser. Le petit casque de moto va rester ici. Café pétable qu'on va prendre. Ça, on va garder aussi. Et puis, on va pas être mal comme ça, je pense. Niveau eau, on est pas mal. On va en reprendre un peu. Remplir le vapeur. Oh, ça fait beaucoup de bruit, ça. Il est 6h du matin. C'est impeccable. Par contre, il y a l'air d'y avoir du brouillard. Ce n'est pas grave. Toujours aussi calme. Toujours aussi calme. Donc, team. 2955 zombies tués, 1 mois, 5 jours et 22 heures de survie. Toujours 89 kilos. Niveau points. Ça a pas bougé. De mémoire, je vous l'avais pas montré en fin d'épisode. Bientôt discrétion et furtivité. Ok. Qu'est-ce que tu as, toi? Un sac. Une veste militaire. J'en ai déjà une. Il y aurait tout, ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors, ici, magazine. Magazine, on va prendre. Ça, non, ça, non. Ouais, à mon avis, on a tout vidé. Il n'y a plus personne. Limite, on pourrait s'installer ici, quoi. Tellement qu'on est tranquille, il n'y a plus personne. Donc là, non, merci. Ouais, les armes, ça m'embête un peu d'en prendre d'autres. Munitions à la limite du 308. Le drapeau là, je vais le prendre. Petit drapeau. On mettra en décoration à la maison. Ah, ça c'est quoi un chargeur de 7,62 mais 75. Waouh, on le prend. J'avais pas vu ça la dernière fois. Une scope. Non merci. Ça je prends aussi. Mission de fusil à pompe, je suis pas trop fan. 5,45. Ouais, non. Ah, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a sur elle? C'était des boucles d'oreilles, ok. Alors, je suis déçu dans un sens. Donc j'ai regardé sur pour rajouter un mode, rajouter une map. Là, on a fait le tour de la map de base et j'aurais dû y penser avant. J'aurais dû rajouter une map ou deux. Mais le problème. Ah, c'est un chapeau. Mais le problème, c'est que je pensais vraiment pas survivre aussi longtemps que ça. Je ne pensais vraiment pas que Tim allait être aussi fort que ça. Et donc, j'ai regardé et c'est impossible de rajouter une map. Impossible. Vu que la partie est déjà créée. Les cigarettes, on va les prendre. Donc si vous avez, comme je vous ai demandé dans la dernière vidéo, si vous avez quelques petits défis à me lancer. Ça m'embête de laisser Tim comme ça, il est encore vivant. J'ai pas envie de l'abandonner dans la fosse. Donc on va continuer avec lui tant qu'il sera vivant. On n'abandonne personne sur le terrain. Bon, là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Mais bon, avec lui, on n'est pas. On n'a pas tout vu. La poisse qu'il a. On ne sait pas ce qui peut arriver. Là, il y a besoin de rien. Batterie, on avait dit non. Tout ça.
Non, merci. Il y a du zombie. Mais je ne sais pas où encore. Du parfum, brosse à dents. Ouais. Vous avez déjà lu ceci, vous n'avez pas encore lu ceci, c'est quoi? Magazine spécial électronique. Fabriquer un déclencheur. Ouais, j'en fous. Je l'utilise jamais. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il est par là le zombie, c'est franchement c'est bizarre. Cette pièce-là est fermée. Elle est fermée. Ah, c'est peut-être là-dedans alors. Là, on le verrait là. Ok. Ouais, mais je sais pas où il est. Je ne sais pas. Ah, mine de rien, on a fait un gros nettoyage, hein. Hop là, on va re-remplir un petit peu. Boire, laver. Allez, petite douche. Est-ce que je trouve trop facile dans cette partie aussi? On n'est pas à la coupure de courant. On est, comme je vous ai dit déjà la dernière fois, on est 1 mois et 5 jours, et de base au 29e jour grand maximum, la coupure de courant et d'eau courante a déjà montré le bout de son nez. Mais là, on a encore, je sais pas pourquoi. Pourquoi tu dors par terre, toi? Qu'est-ce qu'elle fait? Ok, d'accord. Les clopes, merci. La clé, on a déjà. Ok, elle est sortie du sol, non? Je ne sais pas d'où ils viennent. Mais ils viennent d'un endroit, ça c'est sûr. Alors là-haut, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Petite bonbonne. Ok. La porte, s'il te plaît, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous nous recevez? Ok. Y'a personne. Mayday, Mayday. Un hélicoptère, venez me chercher. On va lancer un appel radio pour un hélicoptère. Venez me chercher, s'il vous plaît. J'ai peur tout seul. Non, y'a personne. Bande de nuls. Bon bah tant pis. Condamné à vivre seul, à vie. Allez, on va fumer une petite cigarette. Manger un petit morceau de viande séchée ensuite. Le drapeau, on va le mettre là. Oh, pardon pour le téléphone. Est-ce qu'il y a quelqu'un par là? On avait tout fouillé ou pas? J'aurais checké vite fait là. Encore du zombie quelque part. Alors là, je sais pas à quoi ça sert. Ici, on avait fouillé. Il n'y a personne, il n'y a rien. Bah, écoutez, bah, on a fait le tour. On a fait le tour. En petite foulée. Ouais, ici, on avait fouillé aussi. Il n'y a vraiment plus rien. Là aussi, et là aussi. Calpel, bonnet, ok. Ah, ok, d'accord.
Bon, allez, on va rentrer. Hop. Non, l'entrée est par là. Non, l'entrée n'est pas par là. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je suis parti où, là? C'est là-bas? C'est par ici. Allez, on y va. Par cette belle journée de brouillard. Ici, oh, il commence déjà à se décomposer. Donc on avait vu pour prendre ça. Il y a beaucoup de mouches. Alors on va récupérer ça. Voilà, en haut. On va récupérer le reste. Le sac, on va le laisser là. On va pas le récupérer, ça sert à rien. Hop, ici, on récupère tout. Voilà. La bonbonne d'eau. On va la prendre. Voilà. On va laisser ça ici. De toute façon, on va pas s'embêter à ramener le lit. Alors, hop, est-ce qu'on peut mettre ça ici? Touloulou, touloulou, tout ce qui est. Oh bah encore le téléphone. Bah j'avais pas mis en silencieux, nom de Dieu. Bah alors. Je faisais, excusez-moi. Le transfert de ça, l'arme. Les munitions, le rouleau. Le casque. Les clous, le drapeau. Et ici, la réserve. Ah, ça va être plein. Pourquoi c'est plein? Pourquoi c'est plein? Ça me met... Ah oui, 30 kilos, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc il me faudrait 68 kilos, enlever 9 kilos. Non, on va pas faire comme ça. On va rester comme ça. On va rester comme ça pour l'instant, on va le garder sur nous. Et on le posera si vraiment on a besoin. Allez, c'est parti. S'il veut bien démarrer, bien sûr. Voilà. Du coup, on y va. Je check vite fait à la remorque si on récupère 2-3 choses ou pas. Tout ce qui est munitions, déjà, c'est sûr. Donc, on se dit à tout de suite. Bon, j'aurais pas attendu trop longtemps avant de vous reprendre. C'est le gros bordel. M'arrête, c'est fichu. J'ai pas le choix de faire demi-tour. Je peux pas me permettre, là je peux pas avancer. Je ne peux pas avancer, il y a deux runners. Ok, ça craint. Putain, c'est un cul-de-sac en plus. J'arrive à passer là. Non, 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 non. Pose-moi ça. La bonbonne là. Pose-la moi ici. Putain, c'est pas possible. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Ok.
Évidemment, l'arme, on l'a déposée. On va tenter de recouper, de récupérer par là-bas. Il y a du zombie par là, j'entends. Allez, team. On récupère le chemin. Ok, parfait. Le véhicule est juste là. Mais le problème... Maintenant... Oh. Le problème, c'est qu'il y a deux runners qui me font peur, là. Et venez me voir, là. On va aller là-bas. On va retourner par là-bas, c'est pas grave. J'ai vraiment pas été loin en plus, hein. Ah, j'aurais dû garder l'arme sur moi. Je m'en doutais, je m'en doutais. Bon bah à l'ancienne, mais par contre le problème c'est que j'ai qu'une hatchette. Allez, bêta bloquant. En train de cacher. Je suis content, j'ai bien. J'ai dû écraser les runners. Oh mais non, mais la hatchette qui casse quoi. Mais c'est pas vrai. Je peux pas la réparer, j'ai rien pour la réparer. J'ai pas de couteau. On est dans la panade. Ok, ça craint. Ça craint. J'ai tout perdu. Est-ce qu'il y avait un couteau à la base militaire? Je ne suis pas sûr. En plus, il y a du brouillard. On voit rien du tout. On voit rien du tout. Il est fume une clope. Bon, bah c'est pas pour aujourd'hui le départ. On a 24 balles, on peut les lancer comme ça sans une arme ou... Comment on va faire? Ok, ça vient d'en haut, ça vient d'en bas, ça vient de sur les côtés, ça vient de partout. On est main nue. On va pas avoir le choix de prendre une arme. Sans silencieux. C'est la seule chose qu'on puisse faire. De toute façon... Non, arme de corps à corps, j'aurais ramassé, j'en ai pas vu, il n'y a même pas de couteau. Donc on n'a vraiment pas le choix. On n'a vraiment pas le choix. On va se poser un petit peu là-dedans déjà pour ne plus être essoufflé. Et on va y aller à l'arme. Tant pis. Faire un carton en espérant qu'on trouve des balles déjà. Bon bah bonjour maison, je reviens. Moi, comment vas-tu maison? Allez, se reposer, repose-toi. Ça veut dire que le brouillard il tombe aussi. Oh mais regardez-moi ça, magnifique, magnifique. On demande un truc, on l'obtient. Hein. Vous voulez de l'action? J'en ai. On va en avoir. Hop là, on va aller chercher tout de suite. Une arme. Ok, déjà ils ont pas suivi ici, c'est bien, on va pouvoir en attirer un tout petit peu. On va encore rester une ou deux journées ici encore, je pense. Et on ira là-bas en nettoyant tout sur notre
passage. Ce qu'on peut prendre, c'est à la limite. J'ai plus le chargeur tambour. Bah non. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Du 7,62. Ça, c'est quoi ça? Multigun. C'est pas pour les fusils à pompe, ça? Dis peut-être des conneries, hein. Cartouche de fusil à pompe, on va prendre. .919, non merci. Ok. Ici, il n'y a rien en arme en plus. Ça prend du 308. Le FAMAS, il prend du 5,56. Et ça prend du 9 mm. Alors, Sam, il nous faut du 5,56. Bah voilà, on a ça, du 45 ACP. Il y a un chargeur en plus. Impeccable, non? Attaché au holster droit. On a 15 balles là. Du 45 ACP. Que ici, il y a du 45 ACP. 44 Magnum. Non. Non. 45 magazine. No et no. Ok, donc bon. On a un tout petit peu de balles. On va tenter de se frayer un petit chemin déjà. On va pouvoir faire ça avec ça et ça. Est-ce qu'on a des balles? Là, on n'a pas d'alles, de balles. D'accord. Bon, bah, ça craint un peu, hein. Du café. Manger un quart. On peut tirer jusque-là? Ouais, ça fait un petit peu loin. Ah, t'as quoi toi? Allez. Eh ben un couteau, c'est mieux que rien, non? Attaché, ceinture gauche. La musique qui se lance. Ça va chier. Je vous le dis, moi. Non, en fait, on va pas avancer beaucoup parce qu'on n'a pas beaucoup de munitions. Donc, voilà quoi. Allez, toi, t'es toute seule. Au couteau, je me suis jamais battu. Tiens, je te pique. Vilain. Méchant. Eh non, mais je suis bête, moi, avec ça, normalement, on peut se faire des spires. Il y en a plein là-haut, par contre, ça, c'est bien. On va retourner là-bas, on va se faire des spires. Au pire. Ça va être bien. Ça va être mieux. Je les mange un petit peu, là. Hop là. Ici, on avait plein de brindilles, logiquement. On a la hache, au pire, de bûcheron aussi. Allez, attache-moi ça au dos. On va y arriver. On va y arriver, je vous le dis. Ça. Et non, on peut pas avec ce couteau-là. Oh oh. On peut pas avec ce couteau-là. Ça compte pas de conneries, on peut bien avec... Ça se trouve avec les brindilles, on peut plus depuis la mise à jour. Allez, on va éviter de courir hein, pour éviter de le fatiguer. Bon, avec ça, il devrait faire un petit peu de ménage quand même. Je pense.
Une porte défoncée, s'il vous plaît. Ah mais il me dit pas qu'il n'y a plus de porte défoncée. C'est une blague là. Allez voir là-haut. Par là. Il y en a. En toute logique. Ah là. Est-ce qu'on peut faire... Qu'est-ce que me disait ? Ben non, on peut pas. On peut pas. Ouais, ben je suis déçu. En plus, on est lourd. On est lourd. Je ne sais... Ah si, on a l'arme ici. Ben ça, on n'a pas besoin. On met ça par terre. On met ça là. Et c'est pas par là, Michel. Là. Si, c'est par là, Michel. Non, c'est pas par là, Michel. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie, c'est là. C'est là, José. L'arme, on va la mettre dans le sac à dos. Il nous faudrait un couteau, quoi. Pas un tournevis, un couteau. Pas un crampe-papier, un couteau. Une machette, un... Non, c'est trop demandé. Mais pas des vitamines non plus. Que dans les coffres, il n'y aurait pas un couteau qui traîne. Désolé, mais alors là, c'est, je suis pris de court. Pris de court, pris de court. Je ne pensais vraiment pas... que j'allais me faire avoir comme ça. Là, il n'y a rien. Ok. Ici. Ouais, pâté pour chien. On va pouvoir manger un peu. Bon. Ah. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a? Un shotgun. Bah voilà. Allez hop. Attache-moi ça au dos. On a quelques balles de shotgun. Avant, on va se reposer un peu. On va nettoyer tout ça. Ensuite, balles de fusil à pompe. Ouvrir la boîte. Ça nous en donne combien? 25. Ouais, ça va, c'est 25 zombies, ça. De reposer. Allez, jusqu'à 14h. Voilà. Et dire que j'ai énormément de... Pourquoi tu veux pas recharger? Ah, c'est le chargeur qu'on a acheté là-haut. Allez hop, on y retourne. On va y arriver. Y'a pas autre chose qui traîne? Non. Allez, on y va tranquillou. Tranquillou, pépouze. Tu me mets ça... Non, tu fumes une clope parce que ça sera pas dans le sac à dos, je suppose. Et ça y va, parfait. Les chargeurs, on l'a mis juste là-bas. Ici, personne aurait des munitions, un pistolet silencieux, avec des milliers de balles sur lui. Non. Donc là, il est juste là, le chargeur. On va le mettre là. C'est pas le bon. D'armes à feu multigun. Attends, enlève-moi ça. Un
Linger, shotgun shell. Mais c'est aucune des deux balles qu'il met dedans là, il se fout de moi lui. Il se fout de moi. Moi je suis humain. Il n'a rien là-dedans déjà. Ça prend du 9 mm. Pas masse du 5,56, c'est ça? Du 308. Et nous, on vient de trouver du 357. C'est le brin. Ça, c'est pas cool. Bon, allez, quand faut y aller parce que sinon, on va dormir ici. Là, il y a une balle, mais c'est une balle de... Il recharge pas, il n'y a pas moyen qu'il recharge. 20G shotgun shell. Pourtant, c'est des balles de shotgun, je comprends pas. Allez hop. Tant pis. On y va, comme on avait dit. On se libère un peu en poids. Les balles, on les remet en boîte. Mettre en boîte. Voilà. Je me remets ça là. Je me reprends la hache. Les balles de 45, faut que je les garde. Pour le pistolet. Je sais pas trop quoi faire là. Je fais des trucs, je refais. À vrai dire, je suis vraiment pris de court là. Allez, mange-moi un peu de café. On va tenter d'y aller. Tranquillou. On va les tuer de toute façon sur notre passage parce que on peut pas se permettre d'en avoir dans le dos. La hache, elle fait mal. Hein, elle est lourde, mais elle fait mal. On peut le laisser. On n'en a plus besoin. Ok. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui, les copains? Je viens en paix. Je suis un copain. Il fait mal, hein. Oh oui, il fait mal. Il fait très très mal. Il fait très très mal. Par contre, il est très essoufflé. Enfin, très essoufflé, non, essoufflé quoi, mais... Il one shot à chaque fois, c'est parfait. Pouf. Ça va le faire. J'espère. Là, il n'y a rien. J'ai vu qu'il y avait deux flics. Ok, lui, il a rien. Des vitamines, on va prendre au cas où. Même si je préfère prendre le café. Ouais. Ok. On peut faire, c'est utiliser le gun quand il n'y a pas trop de zombies. Genre là. Voilà, comme ça, ça n'en attire pas trop, quoi. Tu vois. Tu vois. On ne s'essouffle pas trop non plus. Si ça en attire, c'est que quelques-uns, donc c'est pas trop gênant.
Un couteau, s'il vous plaît. Et honnêtement, personne n'a un couteau là. Combien de balles? 5. Et ils sont 5. 2, 4, 6. Ah. Ok, bah déjà si tu rates des balles, Michel. Ah. On va y aller. Lui, je l'ai vu. Je l'ai vu là-haut. Un crayon, non mais attendez, vous voulez que je me batte avec un crayon là? Un couteau à pain. On peut peut-être faire une spire avec ça. Mine de rien. Ça nous aiderait beaucoup, non? Est-ce qu'on peut faire create a spear? C'est la planche. Non. Attache-moi ça au dos. On va se battre avec. Hein. Tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Méchant, vilain. Ah, des ciseaux. Et je veux un couteau. Amène-moi un couteau. Un couteau, j'ai dit. Un couteau. Ah, par contre, on peut mourir quand même. Toi tu as quoi? Tu as rien. Toi tu as quoi? Tu as rien. J'ai pas de couteau. C'est franchement, c'est le bordel. Mais ouais, j'en étais sûr de pouvoir faire une spire de base. Bon bah le couteau à pain, au revoir. Tant pis, hein. Tant pis. Je peux pas le garder, c'est pour mettre un coup aux zombies et... Le truc il casse, c'est pas la peine. Ah, faut que tu tombes là. Un petit coup, un petit revers. C'est bon, vous êtes mort. Vous êtes mignon. Pas bouger maintenant. Bon ça maintenant. Il est vide. Il n'y a plus de balles. On va pas retrouver de balles comme ça sur eux. On le fout par terre. On est déjà chargé. Toi. La vigile, t'avais pas. Arrête. On va faire retirer le verrouillé. Mais j'ai peur de rentrer. Parce que vous voyez, il y a ça là. Bon bah, il y avait ça. Bonjour. Service de nettoyage. Sac poubelle. Ouais, bah la clé, j'en veux plus maintenant. Pour être franc avec toi, le jambon. On va le prendre. Ah, bah si, en fait, je veux bien la clé. Donne-moi la clé maintenant. Non, c'est bon. C'est une blague. Reste à l'intérieur. Bon, je suis chiant, c'est Z. T'as quoi, toi, t'as rien. J'aime pas ça quand vous faites ça là. Yeah.
Un coup à l'un, un coup à l'autre. Et on fatigue. On fatigue, il nous reste plus de café. Ah si. Un peu de café, on se fait lui, on se pose un peu par terre. On est essoufflé. Ok, là y a rien. Il y en a un qui arrive là. On l'a vu. Franchement, c'est dommage hein, qu'on n'ait pas un couteau. Hein. Parce que là, on avait de la spire illimitée. Hein. Donc on a une hache de bûcheron. Ok, là, il n'y a rien. Portefeuille. On va tenter d'aller se reposer là-dedans. Être plus safe que dehors. Touche pas ma porte, ok. Ok. Allez, repose-toi. Juste gaffe. Il n'y a personne qui rentre. Allez hop, on est reparti. Personne. T'es... Parfait. Ils ont dû aller dans la forêt, les zombies de tout à l'heure, parce qu'ils étaient là. Voilà. Mes copains. Et papa. Papa amène à manger. Non, non, je vous jure, papa, venez manger. Allez, venez manger, là. Allez, c'est l'heure de manger. Pas trop, pas trop, pas trop. On est gentil, je suis qu'avec une planche. Malgré qu'il soit avec une planche, il se défend très très bien. C'est temps là, vieille là. J'ai essoufflé. Toi tu te couches. Allez. Ouh. Un coup à toi, un coup à toi. Ok. Bon bah c'est parfait. C'est parfait, mais toujours pas de couteau. Je vais m'énerver. Je vais me fâchir. Je vais lancer, je vais prendre des montres, hein. Je vais leur lancer dans la goule. Tournevis, ça pourra faire une arme. Des clopes. On pourra les fumer. Oh, du 38. 38, on va le prendre. Ça, on va le prendre. On a vu le zombie derrière. Là, on va tenter. On va les faire. On n'a pas le choix. On va les faire. J'ai dit, j'ai laissé personne. En plus, il a un truc dans la jambe. Et c'est un crayon. Je crois. Ou des ciseaux. Oh, il est semi-chauve. Allez, on meurt, on meurt. Toi aussi là.
Ah mais ça vient encore. C'est incroyable. Ah qu'est-ce qu'il a dans le corps lui? Il a un pieu? Ça devient de plus en plus dur. Oh, ils viennent d'où? Évidemment, c'est quand je suis essoufflé. Il y en a un là aussi. Bah, il y en a là aussi. Bah, il y en a partout. Là, tu me rattrapes. Elle court plus vite que moi. Arrête. Qu'est-ce qui veut un coup dans la tronche là? Oh toi tu marches vite toi. Oh, oh, oh. C'est trop dur. Trop fatigué. Café, allez, mange-moi un quart. Bêta bloquant, prends un cachet. Cigarette, fume-en une. On va les narguer un petit peu. Allez. Ouh, j'en ai fait trois d'un coup. Il est à bout de force. Un pieu, on prend, c'est une arme. Même si c'est nul, c'est une arme. On est à bout de force. Allez. Ah, pique, je te pique. Je te pique. Ah, vas-y, mais meurs. Bon bah. Ok, on va y aller, on peut pas en faire un autre là. Mange un. Non, t'as pas faim. Et surtout essoufflé. On peut se le faire, il est tout seul. Ok. Bon, on va pas insister. On va rentrer, on va reprendre de l'eau. On va se reposer un petit peu, on va passer la nuit. Bon bah, cet épisode, l'épisode prochain, l'épisode d'après, ça va être... On tente de repartir de la base militaire. Ou alors je... En pleine forme, je cours, je récupère l'arme. C'est ce que je vais faire, je pense. En pleine forme. Là, on va dormir, on va se reposer, on va dormir. Hop. Et demain, on court à la voiture. On récupère l'arme. Les munitions. Et on tente de faire un carton comme ça. C'est la seule solution, je pense, parce que sinon on n'a pas d'armes, on est bloqué. Ça va être très 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 long. Regardez-moi tout ce qu'il y a ici encore. Le problème, c'est qu'il bouge quoi à chaque fois. Il va falloir qu'on aille voir un coup. Je peux plus courir. Ce qu'on peut faire, c'est ça, l'attacher. Et il prend du 38.
Il prend du 38. Normalement, j'en ai aussi quelques-unes. Là, j'en ai 10. Ah, c'est un barillet de 5, ok. Pourquoi pas. Normalement, c'est un 6. Enfin, si je raconte pas de conneries. Bon, allez, on va aller boire un petit coup. On va terminer cette vidéo-là. Qui était très mouvementée. Je pensais que ça allait être vraiment très, très, très calme. Je pensais, dans la vidéo, pouvoir quitter la base militaire et se retrouver directement chez nous, à la base. Mais ce n'est pas le cas. Il y a de l'eau en bas. On va prendre l'eau ici. On va boire un coup. On va remplir le vapeur. Qui était bien bien vide. Voilà. Et on va aller faire un gros dodo. Parce qu'on en a bien besoin. Mange un petit coup. Hop, t'as dû perdre un peu de poids encore, non? Est-ce qu'à lâche à lâche, à lâche, à lâche, à lâche. Ah ouais, non. Ouais, ça va. 89, 3057, un mois, 6 jours, 11 heures. Ça va, ça va. Ah, 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 c'est quoi? Ah, pareil, c'est un couteau. Ça peut sauver. On va le prendre. Allez, on va aller faire dodo. Ah, oh bah, hé. Bah, ça y est, on est refait. Ça y est. Ça y est. On va pouvoir faire des spires. Fabriquer deux lances. Tout de suite. Voilà. Tu l'attaches sur le dos. Ça va pas durer longtemps, mais au moins, on a ce qu'il faut. On va faire un gros dodo.